Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours vous présente Craft Studio. Alors je retourne sur le site officiel. Donc craftstud.io. Voilà, j'ai téléchargé la démo gratuite. Donc il suffit de cliquer sur télécharger. Et j'ai installé Craft Studio. On retrouve l'icône ici. Donc je double-clique pour lancer le logiciel. Alors, pour Craft Studio, il faut créer un compte. Donc si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur Créer un compte. Voilà, alors ici vous mettez un nom d'utilisateur, votre mot de passe une première fois, votre mot de passe une deuxième fois, votre adresse email. Votre adresse email ne sera pas rendue publique. Voulez-vous être tenu au courant des mises à jour? Donc si vous êtes intéressé, vous cochez ou décochez le oui et vous cliquez sur c'est parti. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez saisir votre identifiant et votre mot de passe et cliquer sur connexion. Voilà. Alors ici on retrouve les actualités de Craft Studio. Donc on peut voir ce qui s'est passé depuis la dernière mise à jour. Alors c'est en anglais, mais bon, ça peut quand même être intéressant. Ici un message de bienvenue. Voilà, ici on a la photo du développeur. Alors si on clique dessus, il fait un sourire. Et si je clique plein de fois dessus, un petit message rigolo. Ça suffit et j'arrive pas à me concentrer avec tous ces clics. Promis, j'arrête. Voilà. Ici on retrouve un lien vers le wiki de Craft Studio qui explique le logiciel. Ici des informations sur le compte, un certain nombre de points, le nombre de jeux, le nombre de projets. Alors je ne sais pas encore à quoi vont servir les points, etc. Je crois que ça viendra plus tard. Voilà, alors ici le bouton accueil. Donc si je clique sur accueil, ah, et si ça a changé, on peut être mis au courant des mises à jour et du développement de Craft Studio sur Twitter. Le compte c'est @craftstudiodev. Voilà. Donc si je reclique, ah voilà, on a de nouveau un lien vers le wiki. Voilà. Donc accueil, magasin. Donc si je clique sur magasin, magasin pas encore implémenté. Donc le magasin, ce sera pour partager les jeux et les films, ainsi que les différentes créations. Voilà. Communauté. Communauté. Donc on a un lien vers un forum, vers le wiki, vers Facebook et Google+. Voulez-vous proposer un projet? Contactez-moi. Voilà. Public test project. Donc ça c'est
le serveur public pour tester Craft Studio. Voilà, je reviens sur accueil. Ici on a géré, donc on a deux projets. Donc le projet public de test sur internet et mon projet de test en local sur ma propre machine localhost. Voilà. Ici Craft Studio. Si je clique, voilà, on a des informations. Options, l'interface, le profil, serveur local. Il se passe rien pour le moment. Voilà, donc je double-clique sur test, mon serveur en local. Voilà. On voit ici à droite la liste des membres connectés. Donc là, je suis tout seul sur mon serveur en local. Et je suis un administrateur. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, on va explorer les modèles, puis dans une autre vidéo, les maps, puis dans une autre vidéo, les scènes, et on parlera aussi un peu des scripts et des documents. Voilà, à très bientôt. Merci.